Le pass vaccinal remplaçant du pass sanitaire entre en vigueur ce lundi en France. Il isole un peu plus les non-vaccinés. À cause de la pandémie, une partie des électeurs portugais a commencé à voter par anticipation ce dimanche pour les élections législatives du 30 janvier. Au Burkina Faso, des soldats sortent de leur caserne et tirent en l'air. Un mouvement d'humeur pour réclamer plus de moyens dans la lutte contre les djihadistes. Les autorités démontent tout coup d'État. Le Français Sébastien Loeb s'impose à Monte-Carlo. 8e victoire sur les routes de la Principauté. Surtout, il est devenu le pilote le plus âgé à remporter un rallye WRC. Très bien, bienvenue madame. La lutte contre le Covid-19 en France entre dans une nouvelle phase avec l'entrée en vigueur ce lundi du pass vaccinal, remplaçant du pass sanitaire. Fini les tests Covid négatifs, désormais il faudra obligatoirement être vacciné pour se rendre dans les lieux publics. Le pass vaccinal sera exigé dans les bars, restaurants, les cinémas, théâtres, musées, monuments, parcs d'attractions, les trains, avions ou cars longue distance, obligatoire également dans les établissements sportifs ou les remontées mécaniques. Certains lieux seront toutefois exemptés de pass vaccinal, comme les hôpitaux ou les maisons de retraite, où le pass sanitaire, en l'occurrence la présentation d'un test Covid négatif, continuera de prévaloir. Par ailleurs, à compter du 15 février, le pass vaccinal sera désactivé si la dose de rappel n'a pas été effectuée 4 mois après la dernière injection. Si ce pass vaccinal ne change rien pour la population vaccinée, il isole un peu plus les non-vaccinés volontairement ciblés par le gouvernement français. Les non-vaccinés sont plus de 5 millions en France, environ 7% de la population adulte, et ils représentent l'écrasante majorité des patients en réanimation, selon les termes employés par le Premier ministre Jean Castex. La 5e vague de l'épidémie en France n'a toujours pas atteint son pic, avec des chiffres toujours vertigineux, 340 000 nouveaux cas chaque jour en moyenne enregistrés sur les 7 derniers jours. Mais les autorités voient tout de même des signes encourageants, le variant Delta plus dangereux est en net repli sur le territoire, alors que le variant Omicron se propage à grande vitesse, mais provoque moins de formes graves. Le nombre de patients en réanimation actuellement est en train de reculer. Un nouveau week-end de manifestations à travers l'Europe pour protester contre les restrictions sanitaires. À Bruxelles, le cortège réunissait ce dimanche plusieurs milliers de personnes, des Belges, mais aussi des manifestants venus d'autres pays qui entendent défendre la liberté, la démocratie et les droits de l'homme. Derrière le message « Les Européens unis », ils ont pris la direction du quartier européen. Des manifestations similaires ont eu lieu ce week-end dans d'autres capitales européennes, Athènes, Helsinki, Stockholm ou encore à Paris, alors que le controversé pass vaccinal entre en vigueur ce lundi en France en remplacement du pass sanitaire. En Espagne, plusieurs milliers de personnes ont défilé à Bilbao ou encore à Barcelone où les protestataires appellent à la fin de la dictature sanitaire. Avec un taux de vaccination qui dépasse aujourd'hui la barre des 70% dans la plupart des pays européens et un variant Omicron très contagieux mais moins dangereux, beaucoup dans les cortèges militent aujourd'hui pour un changement de stratégie et appellent à considérer la maladie comme faisant partie du quotidien. Les Portugais se rendent aux urnes pour élire leurs représentants. À cause de la pandémie, une partie des électeurs a commencé à voter par anticipation ce dimanche pour les élections législatives du 30 janvier. Près de 315 000 personnes se sont inscrites pour le vote anticipé, dont le favori des élections, le Premier ministre socialiste António Costa, qui a voté ce dimanche matin à Porto. Le vote, c'est le moment le plus important de la démocratie. C'est un moment unique où seuls les citoyens décident du résultat de l'élection en désignant leurs représentants et de ce qu'ils veulent pour leur avenir. Je veux donc lancer un appel à tous les Portugais pour qu'ils exercent leurs droits civiques en votant aujourd'hui s'ils ont été enregistrés pour le vote anticipé ou la semaine prochaine. Selon les derniers sondages, le Parti socialiste est actuellement crédité de près de 38% des intentions de vote, soit 8% de plus que la principale formation d'opposition de centre-droit, le Parti social-démocrate. Ce scrutin, organisé après le rejet du budget 2022 de l'exécutif minoritaire, est le troisième que le Portugal organise en pleine pandémie de Covid-19.
Burkina Faso, un mouvement ressemblant à une mutinerie s'est déclenché ce dimanche matin dans la capitale Ouagadougou. Des militaires sont sortis de leur caserne et ont tiré en l'air. Apparemment, ils réclamaient des changements à la tête de l'armée, mais aussi des moyens plus adaptés dans la lutte contre les groupes djihadistes. Les autorités ont minimisé les événements de ce dimanche en parlant de mouvement d'humeur, écartant toute tentative de coup d'État. Je demande formellement, le chef de l'État n'a pas été arrêté. Aucune institution de la République n'a été pour le moins inquiétée. Donc comme je l'ai dit, ces mouvements sont localisés, sont circonscrits et nous suivons l'évolution de ces mouvements-là. Et nous demandons donc à notre armée de demeurer républicaine, de continuer à exécuter ses missions de protection de nos territoires et des populations. Ces événements ont mis la capitale burkinabé en ébullition. Dans la matinée, des centaines de personnes ont tenté de se rassembler place de la Nation pour exprimer leur solidarité avec les militaires. La police a fait usage de gaz lacrymogène. Dans l'après-midi, le siège du parti au pouvoir a été incendié par des partisans des soldats mutins. Le Burkina Faso est confronté à une insécurité croissante, notamment en raison des groupes djihadistes présents dans le nord du pays. La population dénonce l'impuissance des autorités pour faire face à cette violence djihadiste. Une délégation afghane a atterri à Oslo pour prendre part aux premiers entretiens officiels des talibans avec l'Occident sur le sol européen depuis leur prise de pouvoir en Afghanistan. Pendant 3 jours en Norvège, il sera question de droits de l'homme et d'aide humanitaire alors que la pauvreté s'aggrave. La situation s'est considérablement détériorée depuis la prise de pouvoir des talibans en août. L'aide internationale s'est arrêtée brutalement et les États-Unis ont gelé 9,5 milliards de dollars d'avoirs de la Banque centrale afghane détenue à l'étranger. Le chômage a explosé et les salaires des fonctionnaires ne sont plus payés depuis des mois. La faim menace désormais 23 millions d'Afghans, soit 55% de la population selon les Nations Unies. Le pari sera à Oslo de collaborer avec les talibans pour gérer cette crise humanitaire. Tout en ne légitimant pas ce régime, les exilés afghans sont là pour le rappeler. Après la terrible éruption volcanique qui a secoué les îles Tonga, la situation demeure très difficile en raison du manque d'aide humanitaire. Les habitants de l'archipel font face à une importante pénurie d'eau potable une semaine après la catastrophe naturelle. Les autorités sont également très préoccupées par l'impact que pourrait avoir l'éruption sur le secteur agricole dont le pays est dépendant. L'agriculture est le pilier de notre économie et apparemment les cendres volcaniques rendent la situation extrêmement compliquée. Pour le moment, nous ne savons pas le nombre de terrains agricoles qui ont été endommagés, mais je comprends parfaitement l'inquiétude des agriculteurs. D'après le gouvernement, c'est plus de 80% de la population qui a été touchée par cette catastrophe. L'aide humanitaire, notamment de l'eau potable, acheminée par des avions militaires australiens, néo-zélandais et japonais, a commencé à arriver jeudi, tandis que les États-Unis et l'Union européenne évaluent les besoins du pays. À des milliers de kilomètres des Tonga, les côtes péruviennes ont été souillées par le déversement de 6000 barils de pétrole brut il y a une semaine. Selon la compagnie espagnole Repsol, qui est accusée d'être responsable, l'accident a été provoqué par une violente houle consécutive à l'éruption volcanique au Tonga. Sébastien Loeb entre un peu plus dans l'histoire du sport automobile. En remportant ce dimanche le rallye de Monte Carlo, le Français est devenu à bientôt 48 ans le pilote le plus âgé vainqueur en championnat du monde WRC. Le record était détenu jusque-là par le Suédois Valdegarde. Il avait 46 ans quand il avait remporté le rallye Safari du Kenya en 1990. Au volant d'une Ford Puma hybride, Sébastien Loeb signe sa 8e victoire sur les routes autour de la Principauté. C'est son 80e succès rallye depuis 2002, signe de la longévité de l'Alsacien au plus haut niveau. Ce succès, il faut le reconnaître, il le doit en partie à la malchance de son grand rival Sébastien Ogier. Ce dernier était confortablement en tête au général avant une crevaison dans l'avant-dernière spéciale. Il termine sur la 2e marche du podium. L'Irlandais Craig Breen complète le podium de cette 90e édition du rallye de Monte Carlo. Prochain rendez-vous pour les pilotes, le rallye de Suède prévu dans un mois.